إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات Vous connaissez tous le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. On ne vous demande pas d'être aussi serviable que Sahaba radiallahu anhum l'était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas possible, c'est compliqué. Mais à notre échelle, comment est-ce qu'on se rend serviable à la communauté? Comment est-ce qu'on se rend serviable à la société? Est-ce qu'on est un plus ou un moins? Est-ce qu'on est utile? Est-ce qu'on apporte quelque chose? C'est quoi ta valeur ajoutée? Est-ce que tu portes d'une certaine manière la communauté ou alors tu te fais porter? L'indicateur, il est très simple. C'est quoi? Si on évoque ton nom dans une assemblée de personnes qui te connaissent et toi, tu n'es pas là, c'est quoi la première chose à laquelle ils vont penser quand on va évoquer ton nom? Si toi, tu n'es pas là, mon frère, ma sœur, et je vais dire si j'étais avec Si Mohamed, mathalan. Les gens, ils vont penser à quoi? Ils vont dire, ah, c'est Mohamed, oui, c'est un médecin qui aide la communauté, qui fait des choses bien. Ou là, c'est quelqu'un qui se rend serviable. J'ai jamais entendu une mauvaise parole sortir de sa bouche. Ou là, c'est quelqu'un qui aide, qui est connu dans le quartier pour aider son voisinage, les papiers, les courses, ceci, cela. Ou alors, ils vont dire, ah, c'est Mohamed, celui qui nous dérange avec ses klaxons dans le quartier. Celui qui fait de la moto derrière toute la journée, il ne nous laisse pas dormir. Celui, à chaque fois que tu t'assois avec lui, t'entends une nouvelle rumeur sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Parce que demain, mon frère, ma sœur, on va tous partir. On a un voyage qui nous est déjà réservé. Wakhama andekch le visa, le passeport, l'ibriti, t'as ce voyage qui est réservé. Il est gratuit. Mais il coûte cher. Vous voyez le paradoxe? Tu payes pas quand Malak el Maout vient reprendre ton âme. Tu payes pas. Mais ça peut coûter très cher. Parce qu'après, c'est pour l'éternité la demeure dans laquelle tu seras. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'œuvrer dans le bien, dans ce qui lui plaît, et de nous rendre utiles à la communauté. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ce hadith. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi
أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. Prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, il ment sur lui. Il a entendu une rumeur. J'ai entendu qu'un tel a entendu qu'un tel a fait ça. J'ai entendu qu'une telle a entendu qu'une telle a fait ça. Et toi tu colportes, tu répètes. Tu dis sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, ce qu'il n'y a pas sur lui. Allah, il va le faire habiter, cette personne-là, dans radghat al-khabar, jusqu'à ce que tu sois libéré de cette parole et tu n'en seras jamais libéré. C'est quoi radghat al-khabar? Usaratu ahli an-nar. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. C'est quoi ce lieu? C'est quoi cet endroit? Les sécrétions, les puanteurs des gens de l'enfer. Wal'iyadhu billah. C'est-à-dire que mon frère, ma sœur, t'entends quelque chose, tu le colportes, tu le répètes, t'as pas à vérifier l'information. T'es en train de mentir sur ton frère, sur ta sœur, croyant, croyante, et tu répètes ça, et tu colportes ça. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait une promesse, selon le prophète alayhi salatu wassalam. Ta demeure, ça sera l'enfer certes, mais un endroit particulier. Les sécrétions des gens de l'enfer, les puanteurs, la sueur, les excréments des gens de l'enfer, wal'iyadu billah. Qu'on fasse attention à notre langue. Surtout en ce moment. Sans rentrer dans les détails. Qu'on soit unis, qu'on soit soudés. Qu'on ne se laisse pas diviser par des choses externes. Qu'on soit une communauté forte. Celui qui entend quelque chose, j'ai entendu que quelqu'un a dit que Foulen a fait ça ou que Foulen a fait ça. Allah yajazik bil khair, mon frère. Awalan, t'es pas sûr de ce que t'avances. Thaniyan, même si c'était vrai, j'ai assez de péchés entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah il levait mes péchés, le voile qui est entre moi et mes péchés, tout le monde aurait tout le monde en dégoût pour que tu viennes me raconter les péchés d'un tel. Sir Mr. Allah. Celui qui cache les défauts de son frère musulman, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois que tu as raison, Zama? Non, mais je suis sûr, j'ai vu, j'ai une preuve. Celui qui cache les défauts de son frère musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, il cachera ses défauts ici-bas et dans l'au-delà. La réciproque est vraie. Celui qui montre les défauts de son frère musulman, qui les dévoile, qui les montre au grand jour, Allah, il va le fdah. Il va le fdah. Pas que là-haut, même ici-bas. Et ouais, chacun, il fait le bilan, chacun se connaît. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Tu te connais. Est-ce que tu es prêt à ce que le voile sur tes péchés soit levé? Tu as atteint ce stade de... Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, des dizaines de fois par jour, il disait astaghfirullah, il demandait pardon à Allah, et toi, tu as atteint ce stade de... Inch'Allah, ça y est. Le top. Je peux parler, je peux dire ce que je veux, non. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Nabi alayhi salatu wassalam, il a appelé ce qui est entre nos deux lèvres ici, la langue, l'autoroute vers l'enfer. L'autoroute vers l'enfer. Un homme est venu voir le prophète, il lui a dit, Ya Rasulullah, c'est quoi être musulman? Man huwa al-muslim? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de ses mains et de sa langue. Vous avez vu la définition qu'il a donnée le prophète, alayhi salatu wassalam? T'es musulman, ta définition. Tes frères et sœurs musulmans et musulmanes, ils sont à l'abri de tes mains. C'est quoi la main? C'est-à-dire que d'un acte physique vis-à-vis d'eux et de ta langue. Des mains, c'est facile. Il suffit juste, t'as pas trop de muscles, tu peux pas trop embêter les autres. Mais la langue, ça n'a pas d'os. Nabi, il a parlé de la moisson de la langue. Toute la journée, un tel a fait ci, une telle a fait ça. Eh bien, on a une histoire.
Nabi alayhi salatu wassalam, on est venu le questionner sur une femme. Écoutez bien l'histoire de cette femme. Vous la connaissez cette histoire, mais elle a répété et répété et répété et a médité, a médité, a médité. Cette femme, comment elle était? C'est quoi ses caractéristiques? Écoutez bien, Allahu Akbar. Une connexion verticale à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on envierait tous. Cette femme, elle faisait qiyam ul layl, des prières surérogatoires de nuit, toutes les nuits de l'année, où elle n'avait pas ses menstrues, où elle pouvait les faire. Qiyam ul layl toutes les nuits. Cette femme également, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jeûnait. Quand est-ce qu'elle jeûnait? Chez le lundi et le jeudi, ou là, les jours blancs, là. Tous les jours de l'année où elle n'avait pas ses menstrues, elle jeûne. Tiens. Une connexion à Allah subhanahu wa ta'ala qui était... Waouh, Allahumma barik. À côté de ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait une longue langue sur les musulmans, et notamment son voisinage. Elle parlait sur les gens, tout vinnas. On a questionné le Nabi alayhi salatu wassalam à son sujet. Qu'est-ce qu'il répond au prophète alayhi salatu wassalam? Hiya finnar. Elle ira en enfer. Toutes ses actions, elle les a compromis par quoi? Par son mauvais comportement. Bien que chacun se pose la question, mon frère, ma soeur. Personnellement, qiyam al-layl, toutes les nuits, pose-toi la question. C'est quand la dernière fois que tu as fait qiyam al-layl? À part le mois de Ramadan, on avait Cheikh Saïd et Cheikh Oussama, Inch'Allah, on venait. C'est quand la dernière fois que tu as fait Qiyam al-Layl? Très souvent, tu trouves de Ramadan en Ramadan. Elle jeûnait tous les jours de l'année. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné, mon frère, ma soeur? À part le mois de Ramadan et les 6 jours de Shawwal, peut-être les jours blancs. C'est quand la dernière fois? Si elle fait tout ça, et en parlant sur les gens, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe qu'elle ira en enfer, si on ne se réforme pas de notre vivant, on va aller où nous? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de préserver cette langue. Deux informations. La première information, Oustadna Cheikh Nabn Sliman il l'a dit, on le répète, c'est qu'à partir de dimanche, inshallah ta'ala, salat l'Aïcha, ça commence à être très tard. Au-dessus de 23h. Et moi, je comprends quand je vois que, au vu des horaires, et que je vois que, mashallah, beaucoup de monde se déplace à Salat l'Aïcha à 23h, et que le Fajr est à 4h et quelques, que le rang de Fajr ne soit pas rempli. Cheikh Saïd, il a trouvé la solution. À partir de dimanche, on va rassembler le Maghreb et l'Aïcha, comme ça, on sera aussi nombreux que maintenant à Salat l'Fajr. C'est bon, on s'engage? Inch'Allah, Inch'Allah oui ou Inch'Allah non? Inch'Allah oui. Inch'Allah oui. Inch'Allah quand on était plus jeune, ya Abi, je peux aller à Disneyland ou là, Inch'Allah Olidi. À partir de dimanche, Inch'Allah ta'ala, Cheikh Saïd rassemble les prières ici à Masjid al-Iman, on rassemble les prières de l'Maghrib et de l'Isha. On sera nombreux à la prière de l'Maghrib et de l'Isha et on sera nombreux à le Fajr également, parce qu'on aura du temps pour dormir. Alhamdulillah. La deuxième des choses, sans citer le nom de ce frère, on a un frère qui est très investi dans cette mosquée depuis de nombreuses années à Masjid al-Iman, qui va subir une opération du cœur, mercredi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui accorde une guérison complète, qu'il puisse faire en sorte que cette opération se passe bien, et qu'il nous revienne en forme. Parce que des gens qui donnent de leur temps pour Allah comme lui, on en a besoin. Allahumma rabban nas, adhi bil ba's, fashfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل ما وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.